beko ba me makina mapeka e. Yesu likali bosonga na zala mangana simana yo. Nawe na bomo. Acclamons notre Dieu. J'appelle d'abord notre frère Nono. Frère Nono, tu peux t'avancer. Acclamons le roi des rois. Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à ton voisin, à ta voisine, dis-lui que ce soir, c'est ce soir. Pose-lui la question, quel est ton problème? Ce soir, il faut que tu puisses lancer le filet. Oh, tu puisses faire le pêche miraculeuse dans le nom de Jésus. En sortant de ces lieux, si tu n'as pas le travail, tu auras le travail. Si tu n'as pas les papiers, tu auras les papiers. Parce que nous invoquons le Dieu de la montagne de Sion. Il s'appelle Jésus, le roi des rois. Alléluia. J'aime bien Jésus. Et merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, bien-aimé, un jour, comme dirais-je, il était une fois un homme, pendant le moment de détresse, il a poussé un cri. Amen. Amen. Toi qui as un problème, toi seul connais, en ce moment, je sais que ton cœur pleure, ton cœur est en train de pousser des cris. On va écouter les cris de détresse. Amen. Amen. Excusez-moi. Oh,
Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Cela devait convaincre. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout ce qui est. On va aller pour la deuxième fois. Nous sommes en train de monter. Dans son palais, tout ce qui est. Et pour la troisième fois, nous allons pousser des cris de joie. Dans la présence de notre Seigneur. On peut dire Amen. Hein? Amen. Dans son palais, tout ce qui est. Vandaag is de laatste dag de notre convention. Van onze overeenkomst. J'ai une ferme assurance. Ik ben heel zeker que le Dieu qui entend nos cris, dat God onze gebeden hoort, il est au rendez-vous. Dat hij vandaag hier is. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Geloof jullie dit? Quelqu'un croit à cette Geloof parole? Geloof jullie dit? Un Dieu invisible, een God die onzichtbaar is, mais toujours présent. Maar altijd aanwezig. Amen. 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 Nous avons des chars, regardez-les très bien. N'allez pas si vite. Kan niet heel snel. Sans pour autant bénéficier de la grâce. Dus laat eerst naar ons volgen. Et Dieu a déversé cette saison de Dieu. Want God heeft deze mannen hier gebracht. Parce qu'à la fin de la cérémonie, want aan het einde van de ceremonie, ils vont élever leur voix. Gaan ze leven voor ta cause. Voor jullie. Toi qui pleures. Jij die helpt. Aujourd'hui, ça sera la fin. Vandaag zal het einde zijn. Je dis bien, aujourd'hui, ça sera la fin. Vandaag is het einde. Parce que c'est un Dieu qui entend. Is een God die luistert. Amen. Amen. Alors,
Nous allons d'abord recevoir les hommes de Dieu. Dus we gaan eerst de mannen van God ontvangen. Et à la première intervention. En dan gaan we de eerste. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Pendant de nous appeler les vieux palmiers, parce que nous sommes dans l'association de pierres. Nous appelons les révérends pasteurs Purocher. Pendant que nous étions debout, nous allons appeler tout le monde. De mon rocher, j'ai appelé tout ça. Madame, vous êtes bien debout, les mamans, les stars. Nous pendant qu'il se tient debout, nous applaudons tout le monde. Amen. Temple de Dieu, les serviteurs de Dieu. Le manne van God.
ma bienvenue. Dieu est bienvenu dans la maison de notre Seigneur. Nous t'aimons beaucoup. Nous allons passer ce moment ensemble. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la porte de God. Mais avant de passer à la parole de Dieu, j'appelle l'école de dimanche. Et leur monitrice. Et leur monitrice. Juste un petit article. Et alors nous passons aux choses sérieuses. Rapidement. Là, nous avons les monitrices de l'école du dimanche et leurs enfants. Ils veulent nous faire juste un article pour la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants? Au nom de Jésus. Acclamons très fort. Caméra. Caméra. Alléluia. Amen. Bon, je vous présente mes enfants. Donc, comme la Bible elle déclare que le royaume des cieux appartient aux enfants, donc applaudissez très 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 fort pour les encourager. Jésus est Seigneur. Claque le main, claque le pied.
Même les petits enfants. Amen. Vous vous rendez compte qu'il y a des talents. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des talents. Donc ça Noah. Vient. Noah. Donc on va dire ça vient. Gloire soit à Dieu. C'est acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons accueillir le roi de Dieu, celui que Dieu a préparé pour cette soirée. Il va parler de la part de ton Dieu. Hij gaat spreken over God.
de la part de notre Dieu. Over onze God. Nous faire voir comment Dieu entend. Er zal ons laten zien hoe dat God luistert. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour l'accueillir? Est-ce que vous êtes préparés pour l'accueillir? Pendant que j'appelle l'apôtre Pierre Martin, nous nous mettons debout et nous poussons le feu de joie. Tu es encore là. Demande à ton voisin si tu es fatigué. Hein? Demande à ton voisin ou ta voisine. Es-tu fatigué? Es-tu mou? En tout cas, moi, j'aimerais qu'on me donne un peu du jus sur mon micro. Amen, amen. Donne-moi un peu du jus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout le temps qu'ils ont chanté, ça ne fait pas partie de mes 40 minutes. Hein? Amen, amen, amen. Tu peux aussi encore. Je vais gérer ça moi-même ici. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette convention. Dus ik zegen de Heer voor deze bijeenkomst. Je bénis le Seigneur d'abord pour l'homme de Dieu, le révérend pasteur Mukendi. Ik zegen de Heer voor de révérend pasteur Mukendi. Il a été une grande bénédiction dans notre église. Hij is een grote zegening voor onze kerk geweest. Et le peuple l'aime beaucoup, le peuple a besoin de le voir. Het volk heeft hem graag, wil hem graag zien. Merci à toi pasteur et à maman et à tous les enfants qui nous ont déjà visités, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi tous les hommes de Dieu. Ik zegen ook alle mannen van God. Pour toutes les interventions qu'il y a eu. Voor alles wat ze hier hebben gedaan. C'était merveilleux, c'était puissant. J'aimerais que l'Église puisse acclamer Dieu fort pour tout ce que vous me paraissez un peu être fatigué. Hein? Vos acclamations prouvent que vous êtes fatigué. Dis à ton voisin, si tu es fatigué, c'est une erreur que tu fais. Zeg tegen je buur, als je moe bent, dat is echt een vergissing. Amen. Amen. On vous avait déjà présenté mon épouse. Maman Julie, elle va s'élever. Et je suis venu avec mes trois enfants. L'ami du pasteur Mukendi est resté, Sharon est resté. Donc il y a Marvin qui est là le nez.
Daar et les deux filles, vous allez vous lever en aussi. Les twee dochters. Voilà, elles sont venues, sont avec moi. Merci. Mais j'ai aussi des enfants dans la foi. Des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont avec moi. Certains depuis 1981 au pays. Et d'autres ici en Europe. Et nous continuons, je continue à les encadrer. Donc j'aimerais les demander de se lever et de nous entrer. Et tout le monde, l'ancien Pedro, vous allez vous lever dans le nom de Jésus. Pour que l'Église puisse vous connaître. Merci. Maintenant, j'aimerais que tu puisses saluer. Ja, ik wil dat u iemand begroet. Celui qui nous a rendu utile. Dus degene die ons bruikbaar heeft gemaakt. Celui ici. Degene die we prediken. Celui qui a fait que tu aies la vie. Degene die heeft gedaan dat je leven Celui hebt. Qui a fait que tu sois là. Degene die heeft gedaan dat je leven hebt. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Dus ik heb het over Jezus Christus. Le roi des rois, le Seigneur. Hou je handen in de lucht gericht aan. Zeg na mij. Seigneur. Heer. Parle. Spreek. Je t'écoute. Ik luister naar je. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Esaïe 30. We nemen onze Bijbel in Jesaja 30. Nous allons lire deux versets ensemble. We zullen twee versen samen lezen. Toute l'église va lire avec moi. Heel de kerk zal met mij lezen. Esaïe chapitre 30. Jesaja 30. Nous allons lire deux versets. We zullen twee versen lezen. Mais j'aimerais que toute l'âme, que toute personne, tout celui, toute celle qui a sa Bible, lise à haute voix avec moi. En ik wil dat iedereen hardop met mij leest. Non, nous allons lire ensemble aussi. Hein? Okay. Tu as trouvé? Vous y êtes? Esaïe chapitre 30. Dus Esaïe 30. Le verset 18. Vers 18. Et le verset 19. En vers 19. Tu as trouvé? Heeft u het gevonden? Tu as trouvé? Heeft u het gevonden? Esaïe chapitre 30. Esaïe 30. Le verset 18. Vers 18. Et le verset 19. En vers 19. Nous lisons dans le nom de Jésus. We lezen. Je vais compter jusqu'à 3. Tu peux te lever pour lire l'écriture. Tu kunt rechts staan. Mais lis vraiment à haute voix. Maar lees dus heel hardop. C'est très important que tu lises. Het is heel belangrijk dat u leest. Parce que par la grâce de Dieu, want door de zegening van de Heer, je vais te montrer seulement une chose. Zal ik u maar één ding laten zien. Qui fera l'objet de ce que je vais dire ici. Dus alles gaat doen van wat ik hier ga zeggen. 1, 2, 3. Toch ziet de Heer uit naar het ogenblik waarop hij zich Lot kan aantrekken. Toch zegt hij zich in om zich over jullie te ontfermen. Want hij is een God die de recht doet. Gelukkig wie naar hem uitziet. Bevolking van Jeruzalem, stad op Sion, nooit zul je meer tranen storten als je hulpgeroep tot hem doordringt. Zal hij zich je lot aantrekken. Zodra je hij je hoort roepen, zal hij naar je luisteren. Amen. Amen. Maar dan praat ons stilo. Dus neem je biek. Souligne. En onderteken gewoon. Eén woord. Souligne-moi cependant. Onderteken mij tijdens. Dans d'autres Bibles, c'est écrit c'est pourquoi. In andere Bijbels staat er het is daarom. Mais dans la majorité des Bibles, et je crois que c'est la traduction la plus correcte. Dus ik denk dat het de correcte manier is. Il est écrit cependant. Is er toch geschreven. Tu as souligné? Le verset 19 dit, vers 19. Tu ne pleureras plus. Je zal niet meer huilen. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il te fera grâce. Want hij zal je zegening brengen. En quoi consiste cette grâce? Dus welke zegening? Quand tu crieras, dus wanneer je zal roepen, dès qu'il aura entendu, wanneer het hij het zal doen, il fera quoi? Wat zal hij doen? Il t'exaucera. Hij zal u verhoren. Il y a une grâce que le Seigneur te fait ce soir. Er is een zegening dat de Heer u deze nacht doet. Il y a une faveur que Dieu t'accorde ce soir. Er is een zegening dat de Heer u doet vandaag. Cette faveur. Dus wat hij u aan het doen is. Que tu ne pleures plus jamais. Is dat u nooit meer zal huilen. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Ik dacht dat je amen ging zeggen. Bon, qui veut pleurer, qui lève la main. Wie je wil te huilen? Je vais prier pour que vous puissiez pleurer à partir de demain. Ik zal bidden voor dat u vanaf morgen kan huilen. Le Seigneur dit. De Heer zegt.
Je te ferai grâce. Ik zal u zegening doen. Mais cette grâce-là, maar die zegening, consist en une seule chose. Dus heeft met één ding te maken. Tu ne pleureras plus. Je zal niet meer huilen. Amen. Je dis, je désire te faire grâce. God zegt, ik wil u een zegening geven. Pour que tu ne pleures plus jamais. Voordat u nooit meer zal huilen. Tu as tellement pleuré. Je hebt zoveel gehuild. Tu as tellement exprimé les douleurs de ton cœur. Je hebt zoveel pijn gehad in uw hart. Les gens t'ont connu comme une pleureuse, un pleureur. Dus de mensen hebben u gekend als diegene die altijd toute huilt. Ta vie, tu ne fais que pleurer. Heel uw leven lang huil je alleen maar. Mais là, le Seigneur se présente et dit, maar de Heer stelt zich voor en zegt, je désire. Ik wil. Dit après moi, je désire. Zeg met mij, ik wil. Ik et verlang. Dit, je désire te faire jij zegt, ik verlang u. Et cette grâce, en die zegening dit que tu ne pleureras plus jamais. Dat je niet meer zal huilen. Pourquoi? Maar waarom? Parce que quand tu crieras cette fois-ci, want wanneer je deze keer zal huilen, roepen, le Seigneur entendra. Dan zal de Heer luisteren. Et dès qu'il entendra, en wanneer hij gaat luisteren, il t'exaucera de hij zal u verhoren. Dieu n'est pas obligé de t'écouter. God moet niet naar jou luisteren. Parce que la Bible dit, want de Bijbel zegt, la prière de sommes, la prière de juste est agréable à l'Éternel. Dus het gebed van rechtvaardigen is goed voor de Heer. Donc, si tu n'es pas un juste, dus wanneer je geen rechtvaardige ta bent, prière ne sera pas agréable à l'Éternel. Is uw gebed niet goed voor de Heer. Et donc, il ne peut pas t'écouter. Dus dan zal hij niet naar jou luisteren. Mais le fait que Dieu t'écoute, maar omdat God naar jou luistert, j'aimerais que tu comprennes, wil ik dat je begrijpt que c'est une faveur de dat Dieu. Het is een goed wil van de Heer. C'est une grâce. Het is een zegening. Que le Seigneur te dat de Heer naar u luistert. Nous sommes combien de chrétiens dans le monde? Hoeveel christenen zijn we in de wereld? Mais au milieu de tous ces chrétiens, maar in het midden van al die christenen ta foi, begin jij te bidden. Et Dieu t'entend. En de Heer luistert naar u. En de Heer verhoort u. Het is dus een wil van de God. C'est pourquoi le psalmiste a compris. Het is daarom dat de psalmisten het begrepen. Il va dire dans le psaume 116, hij zal zeggen in de psalmen. Ô Éternel, ô Heer, je t'aime. Ik hou van u. Je t'aime. Ik hou van u. Je t'aime parce que tu... Hij zegt, ik hou van u omdat u naar mij luistert. Er zijn veel mensen, veel dingen die gebeurd zijn in uw leven. Oh, je m'imagine que Dieu l'a délivré un jour. Ik stel mij voor dat God hun bevrijd heeft. Je m'imagine qu'il y a un jour Dieu l'a béni. Ik stel mij voor dat God hun gezegend heeft. Mais au milieu de tout ce que Dieu avait fait dans sa maar vie, in het midden dat alles wat God gedaan had in hun leven, il va dire, je t'aime. Gaat hij zeggen, ik hou van u. Parce que tu entends. Want je luistert. Je t'aime parce que tu entends. Ik hou van u omdat je luistert. Le Seigneur va plus loin. Dus de Heer gaat nog verder. Il ne t'entend pas seulement. Hij luistert niet alleen naar mais je. Il incline son oreille vers toi. Maar hij zet zijn oor naar u. Demande à deux personnes, quelle faveur. Vraag aan twee buren wat een goed wil. Vous savez de qui nous parlons? Weet je over wie we spreken? Nous parlons d'un Dieu qui est très grand. We spreken over God die heel groot is. La Bible dit quand il regarde même les anges, il les trouve impurs. Dus wanneer hij zelf naar de engelen kijkt, vindt hij hun onpuur. Dus niet goed, niet puur. Aucun de nous. Maar niemand van moi, ons. J'ai toujours dit, ik heb altijd gezegd. Même après la confession. Dus zelf wanneer we dus ons verhoren. Si Dieu nous regarde en tant que Dieu. Als God ons kijkt, il verra encore de la sainteté. Dan zal hij nog altijd dingen zien in ons. Le seul moyen pour Dieu. Dus de enige manier voor God. De ne pas voir nos péchés. Om niet onze zonden te zien. C'est de nous regarder au travers du sang. Is dus naar de achterkant van ons te kijken. Donc pour que le Seigneur t'écoute. Voordat de Heer naar u luistert. C'est une faveur. Het is dus een goed wil. C'est une faveur. Het is een goed wil. Et c'est la faveur que Dieu te fait ce soir. Het is een gunst dat de Heer voor u doet. Je ne dis pas demain, ce soir. Ik zeg niet vanavond. Tout à l'heure, là, dans quelques minutes, dus quelques minuten, dans quelques heures, le Seigneur dus te fait ce soir. Dus vandaag gaat de Heer gunst voor u brengen. Un autre psalmiste va dire. Een andere psalmist zal zeggen. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Wie is een man voordat je naar hem kunt denken? Je vais traduire ça autrement. Ik zal het anders vertalen. Qui est Martin? Dus wie? Pour que tu inclines ton oreille. Voordat je zijn oor zet. Et tu l'entends. En voordat je naar hem luistert. Sinon qu'une faveur de Dieu. Dus wat een gunst van de Heer. Mais cette portion de l'écriture. Maar deze portie van de schriften. Est introduite par une conjonction de coordination. Dus is geschreven door een coördinatie. Conjonction de coordination. C'est pendant.
Dus is door toch? Ja, ik ken het niet. Oké. Ceux qui parlent français ont compris. La partie que nous avons lu. Dus het gedeelte dat we gelezen hebben. Est introduit par un mot. Is dus voorgesteld dat een woord. De coördination. Dus een coördinatie, een bevoeging. Cependant. Ah, een vervoeging van de coördinatie. Het is dus toch. C'est une conjonction de coordination. Het is dus een vervoeging. Qui introduit une deuxième pensée contraire à la première. Dus is een voorgesteld woord, dus een eerste gedachte, het tegengestelde van de tweede. On peut remplacer cependant. Dus ze kunnen toch veranderen. Malgré cela. Dus door dat. Malgré tout. Dus door alles. En allemand dit trotzdem. Dus ze zeggen trotzdem in Duits. Malgré cela. Dus door dat. Cependant. Dus door dat toch. Mais quelle est la première pensée? Maar wat is de eerste gedachte? Qui va être contredit par la deuxième pensée? Dus de gedachte zal zich in de tweede la gedachte ene, door de vervoeging van toch. Quand vous rentrez dans le premier verset de Isaïe chapitre 30. Wanneer dat jullie naar eerste vers gaan van Jesaja. Jusqu'au verset 17. Tot vers 17. Dieu est en train de se plaindre. Dus God is zich aan het. Il se plaint. Dus hij is aan. Il se plaint du peuple d'Israël et du peuple de China. Hij klaagt over het volk. Il se plaint qu'il les a fait sortir de l'Égypte. Dus hij klaagt omdat hij hen uit Egypte heeft gebracht. Mais arrivé de l'autre côté. Maar wanneer ze aan de andere kant komen. Il continue à penser sur l'Égypte. Dus begint hij terug te denken aan Egypte. Il continue à rechercher le secours de l'Égypte. Dus zoeken ze terug de wil van de Heer. Il commence à invoquer le Dieu de l'Égypte. Dus ze beginnen ze de God van Egypte te roepen. Ze waren ergens anders. Mais leur pensée, maar hun gedachten. Leur vie, dus hun leven. Leur cœur, hun hart. Était rentré en Egypte. Was dus al in Egypte. Et Dieu était mécontent de ce en God fait. Was niet blij. Laissez-moi lire avec vous quelques Laten extraits. We het lezen. Et vous comprenez l'importance de ce pas. En jullie zullen het belangrijkheid begrijpen van toch. La Bible dit. De Bijbel zegt. Malheur dit l'Éternel. Dus ongeluk zegt de Heer. Aux enfants rebelles. Tegen de kinderen die rebels zijn. Qui prennent des résolutions sans moi. Dus gedachten nemen zonder et mij. Et qui font des alliances sans ma volonté. En dus verbonden maken zonder pour mijn wil. Pour accumuler péché sur péché. Om dus die stapelen zonde op zonde. Des rebelles. Want zonder mij. Qui descendent dans l'Egypte. Die dus in Egypte naar beneden komen. Sans me consulter. Om zonder met mij te consulteren. Pour se réfugier. Om zich te beschermen. Sous la protection de Pharaon. Onder de bescherming van Farao. Ils cherchent le secours de l'Égypte. Dus ze zoeken de hulp van Egypte. En vers 8 va dire, va maintenant. Vers 8 gaat zeggen, ga maar. C'est-à-dire, Dieu va parler au prophète. Dus God gaat spreken tegen de profeet. Va maintenant. Ga maar. Écris ces choses devant Dieu. En schrijf die dingen voor de Heer, voor een tafel. Écrave-les dans un livre. En schrijf ze in een boek. Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Zodat ze dus voor altijd en eeuwig zullen genoteerd worden. Ce que le prophète devait écrire. Dus wat de profeten moesten schrijven. Devait subsister à la perpétuité. Dus moest voor altijd zijn. Notez ce. Schrijf dit op. Pourquoi? Waarom? Car c'est un peuple rebelle. Want het is een rebelse volk. Ce sont des enfants menteurs. Het zijn kinderen die leugenaars zijn. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Dus de kinderen die niet willen horen naar de Heer. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Die zeggen tegen de mensen die zien, niet ils zien. Disent aux prophètes, ne prophétisez ze zeggen tegen de profeten, geen profetische uitspraken doen. Prophétise tout ce que tu veux. Dus maak maar profetische uitspraken zoveel je wilt. Maar niet de waarheid. Ce sont des enfants rebelles. Het zijn dus rebelse kinderen. Il dit, hij zegt. Dites-nous des choses flatteuses. Dus zeg ons dingen die goed zijn voor ons. Prophétisez des chimères. Maak dus profetische uitspraken. C'est des enfants rebelles. Het zijn dus rebelse kinderen. Il le dit. Hij zegt, die zeggen het. S'il vous plaît. Alsjeblieft. Vous qui avez les dons de vision, ne voyez plus. Dus jij die visioenen hebt, je moet niet meer zien. Vous qui prophétisez. Jij die profetische uitspraken doet, hou uw mond. Dus als jullie profetische uitspraken willen doen, moeten jullie niet de waarheid zeggen. Zeg ons dingen die wij graag horen. Zien jullie op welk punt het volk was? Het is God die zei dat ze rebellen waren. God zegt dus aan de stilte en de kalmte. Maar jullie hebben niet geluisterd.
C'est pourquoi ainsi parle le Saint-Israël. Het is daarom dat de Heer spreekt. Puisque vous rejetez cette parole. Omdat jullie deze woorden vergooien. Que vous vous confiez dans la violence et dans le détour. En dat jullie liever rebels en violentie zijn. Et que vous le prenez pour appui. En dat jullie het niet belangrijk vinden. Ce crime sera pour vous. Dus dan zal deze dingen comme voor jullie zijn. Comme une partie crevassée qui menace une ruine. Dus zoals een stukje die slecht is voor jullie. Des paroles dures de la part du Seigneur. Het is dus woorden die doden voor van de Heer. À un peuple rebelle. Tegen een rebelse volk. À un peuple méchant. Het is tegen een stoute volk. À un peuple révolté. Het is tegen een volk die in opstand komt. À un peuple qui veut des paroles flatteuses. Het is tegen een volk die alleen maar goede dingen willen. À un peuple qui veut toute chose sauf la vérité. Tegen een volk die alles wil behalve de waarheid. Dieu les maudit. God vervloekt. Dieu déclare qu'ils sont malheureux. God zegt dat ze ongelukkig zijn. Maar dan komen we op vers 18. We komen op vers 18. En hij zal zo zeggen. Misschien zijn jullie wel rebellen. Misschien hebben jullie ons al dus zelfs dat jullie niet willen luisteren. Dus jullie willen geen profeten meer. Maar toch. Maar toch. Malgré tout cela, maar alles, je désire vous faire grâce. Wil jullie toch zegenen? Je désire vous faire grâce. Wil ik jullie toch zegenen? Quand tu crieras, dus wanneer je weg gaat lopen, ik zal het horen. Je te serai. En ik zal het verhoren. Aujourd'hui, le Seigneur veut écouter. Dus vandaag wil de Heer luisteren. Les enfants les plus rebelles. Dus de kinderen die het meest rebels zijn. Il dit, malgré ta rébellion. En hij zegt toch, zelfs als je rebels bent, je te fais grâce. Zal ik u zegenen doen. Dus zelf als je zo bent, dus zelf omdat je onbeleefd bent, dus zelf omdat je stout bent, dus zelf door uw tegenstand, maar ik wil u zegenen. En deze zegening is wanneer je zal roepen, zal ik horen, en wanneer ik zal horen, zal ik verhoren. Dus kan er iemand ademen zeggen? Dis après moi, cependant. Zeg met mij, maar toch. Quand j'écoutais maman témoigner, wanneer mijn zuster heeft horen témoigneren. Elle n'a pas tout dit. Ze heeft niet alles gezegd. Mais j'ai compris que le tableau était très long. Maar ik heb begrepen dat het heel lang was. Le tableau de Marie était noir. Dus het was heel lang. Le tableau, ton tableau était noir. Ik weet dat het heel lang was. Le tableau financier était noir. Dus uw financiële problemen waren heel lang. Le tableau de ta santé était noir. De tafel van uw ziekte was heel lang. Le tableau de ta progéniture était noir. Dus alles was heel lang. Mais Dieu a dit. Maar de Heer zegt. Cependant. Maar toch. Malgré tout cela. Maar toch. Malgré ce que les gens pensent. Malgré ce que les gens pensent. Zelfs wat de mensen denken. Wie ik u zegen, ik zal horen en ik zal u verhoren. Zeg tegen twee mensen, maar toch. Maar zelf wat je gedaan hebt gisteren, dus alles wat je s'avonds hebt gedaan, alles wat je gisteren hebt gedaan, alles wat je gepredikt hebt, maar je hebt nog toch nog altijd zonde. Maar de Heer zegt vandaag, maar toch, wil ik u zegenen. C'est une expression de la volonté de Dieu. Het is dus een goed doel van de Heer voor u. Dieu décide d'écouter. Dus God wil naar u luisteren. Celui qui n'est pas digne d'être. Dus degene die zelf waard is om naar gehoord te worden. Je bent het niet waard om naar te luisteren. Je bent het niet waard om naar te luisteren. Geluisterd te worden. Want zelfs heel uw tafel is zwart. Maar ik ben u komen zeggen. Maar toch al die dingen. Dus maar toch. De Heer zegt. Wil ik u zegenen. Wanneer je zal roepen. Zal ik horen. En ik zal verhoren. En je zal niet meer huilen. Nooit. C'est la soirée de ceux qui ont pleuré longtemps. Het is dus aan de mensen die te veel gehuild hebben.
Tu as pleuré longtemps. Je hebt heel lang gehuild. Parce que le rapport du médecin est morose. Want wat de dokter heeft gezegd is slecht. À chaque fois que tu vas chez le médecin. Altijd wanneer je naar de dokter gaat. Le rapport est triste. Is het altijd slecht. Ça ne peut plus marcher. Het gaat niet meer lukken. Il n'y a plus d'espoir. Er is geen hoop meer. Nous ne savons plus quoi faire. We weten niet meer wat we moeten Nous doen. Ne voyons plus quel médicament dus we weten zelf welke medicatie Parce we moeten que nemen. Le médicament qu'on t'a donné Want de medicatie fois, dat ze vorige keer le médicament le plus solide. Was het dus het beste Quand medicatie. Ta situation n'a pas changé. Maar de situatie is niet Nous veranderd. Ne savons pas quoi faire. Dus weten we niet meer wat Mais we moeten doen. À cette soirée, maar je bent vannacht gekomen. Et l'éternel est en train en de Heer heeft u gehoord. Hij zegt, maar toch al dat. Cependant. Maar toch. Je désire te faire grâce. Wil ik u het zegenen. Depuis le début de l'année. Dus vanaf het begin van het jaar. Tu n'as pas donné ta dîme. Heb je dus geen offer gegeven. Tu as amené les pièces que le pasteur nous t'a Je komt altijd met kleine centjes. Tu as juré les choses de Dieu. Je hebt dus alle dingen van God weggegooid. Tu es spécialiste du nom des pasteurs. Je bent spécialist aan de naam van pasteur. Tu connais tous les noms et toutes les situations des pasteurs. Dus je kent alle namen, alle situaties van de pasteurs. Et tu en as fait ta prédication dans les deux. En je predikt altijd. Tu te moques de tout ce qui est de Dieu. Je lacht met alles wat van God is. Quand on parle de du séminaire, de la convention, wanneer je spreekt over seminaris, overeenkomsten, ben je aan het lachen. Maar één ding heeft u gegrepen. Et ce soir, tu es venu. En deze nacht ben je gekomen. Ik wil jullie zeggen waarom u bent gekomen. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit, er is omdat er iemand zegt, maar toch, wil ik u zeggen. Dans ta famille, in uw familie ben je degene die het minst gestudeerd heeft. Celui qui était le plus négligé. Dus degene die altijd het meest alles liet liggen. On mettait l'espoir sur celui-ci, sur celui-là. Ze zetten de hoop op de die, op de die. Mais pendant, maar toch, je désire te faire wil grâce. U zegenen. Et tu ne pleureras en je zal niet meer huilen. Ton problème, c'est de crier. Het probleem is om te Quand roepen. Tu vas crier, wanneer je zal roepen, le ciel entendra, zal de hemel het horen. En hij zal u verhoren. Frère, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas faire ceci. Dus je kan niet prêcher, je kan niet dit doen, omdat je niet goed Frans spreekt. Je hebt zoveel fouten met Frans. Dus je kan niet goed spreken. Tu ne respectes pas la ponctuation. Je kan dus niet alles, je hebt geen Cependant, maar toch, Seigneur va te faire zegt de Heer dat Hij u moet zeggen en Hij zal u verhoren. En Hij zal u verhoren. Dis à trois personnes, c'est pas mal que ça. C'est pas mal. Dis encore à cinq personnes. C'est pas mal. Dis à cinq personnes, c'est pas mal. C'est pas mal. Malgré ton histoire. Malgré ton histoire, c'est pas mal. Le Seigneur veut te faire mal. Le Seigneur veut te faire mal. Wanneer je zal spreken, dis-lui continue. En zeg, ga verder. Il parle. Hij spreekt. Tu lui dis encore, continue. Wanneer hij spreekt, zeg, ga verder. Quand il a fini, wanneer hij klaar is, tu as fini? Bent u klaar? Je n'ai pas conduit beaucoup de choses. En hij zegt, ik heb nog niet veel gezegd. Il dit, oui, patron, continue. En zeg, goed, patron, ga verder. Maintenant, tu as fini? Ben je nu klaar? Tu as vraiment fini? Ben je nu zeker klaar? Malgré cela. Maar toch, le Seigneur. De Heer. Désire me faire grâce. Wilt mij zegenen. Je crierai. Ik zal roepen. Il entendra. Hij zal horen. Et il me... En hij zal verhoren. Ce mot cependant change tout le champ. Het woord maar toch verandert alles. Mama a crié. Dus mama heeft geroepen. Quand mama témoignait, wanneer ze dus aan het getuigen was, pasteur, was ik tegen de pasteur aan het zeggen, Heer, dat ze Jesaja 30 niet aanraken. Qu'il voyage pas. Dus dat ze niet alles zeggen. Sauf au pays de Zijn. Behalve in het land van Jesaja. Parce que mama Want mama est le fruit is een vrucht de cependant. Van Marto. Rapport, dus zelf wat de dokters hebben gezegd. Le rapport est
vrai. Dus het was waar. Les examens étaient vrais. Dus, dus alle onderzoeken waren waar. Wat ze gezegd hadden was waar. De situatie was waar. La réalité était de realiteit vrai. Was waar. Mais. Maar. Mais. Maar. Malgré cela. Maar toch. Tu peux avoir une taille économique. Dus je kan een heel economische krediet hebben. Petit détail. Dus je kan heel klein zijn. Tu n'as pas de forme. Dus je hebt geen vormen. Et tu peux te dire. En je kan je zeggen. Je ne suis pas digne. Dus ik ben het niet waard. À cause de ma taille. Dus door mijn lengte. De pouvoir servir. Om dus te dienen. Mais quand l'Éternel vient maar wanneer de Heer naar u zal komen. Malgré ta taille. Maar toch. Malgré ton visage. Malgré ta position. Mais cependant. Maar toch. Dus daarom zeg ik, God moet niet naar ons luisteren. Mais c'est une faveur que nous maar het is dus een gunst dat Hij voor ons doet. Dus een gunst voordat wij niet huilen. Si après cette convention, dus na deze bijeenkomst, tu vas encore pleurer. Ga, als je nog altijd gaat huilen, c'est que c'est de ta faute. Het is dus door je eigen fout. Parce que malgré tout ce qui est passé le long des années, want zelfs wat gebeurd is al die jaren, aujourd'hui, vandaag, Dieu veut te faire grâce. Wil God u zeggen, disant, dus door te zeggen, tu ne pleureras plus. Je zal niet meer huilen, nooit. Tu ne pleureras plus. Je zal nooit meer huilen. Je disais, tu ne pleureras zeg, plus. Je zal nooit meer huilen. Pourquoi? Waarom? Parce que quand tu cries là, want wanneer je zal roepen, il entendra, zal hij het horen. Il entendra pas hij seul. Zal u het horen. Mais il va intervenir. Hij zal dus komen. Hij zal dus pourquoi? Waarom? Il décide de te faire faveur. Want hij roept u een gunst toe. C'est pourquoi vous pouvez trouver un païen. Dus daarom kan je een niet-gelovige un zien. Païen. Dus een niet-gelovige. Dans le lit d'hôpital. Dus in het bed van een ziekenhuis. Si lui arrive. Wat er is met hem gebeurd. Maar als hij roept, Heer, red mij. Bien qu'il a refusé le Seigneur toute sa vie. Zelf als hij de Heer niet wou in zijn leven. Quoi qu'il ait été rebelle toute sa vie. Zelf omdat hij een rebel was heel zijn leven. Bien qu'il ait injurié les choses saintes. Zelf als hij alle heilige dingen heeft uitgescholden. Mais en ce moment-là, maar op dat moment. Le Seigneur de Heer peut décider heeft besloten de lui faire grâce. Om hem te zegenen. Il va entendre son. Hij zal dus zijn roep horen. Et il va dire, en hij gaat zeggen. Cependant, maar toch. Malgré tout cela, maar toch al dat. Je désire de faire grâce. Wil ik u zegenen. Je voudrais que tu puisses capter. Ik wil dat je dat begrijpt. La grâce que le Seigneur veut te de zegening dat de Heer voor u wil doen. Et que tu ne pleures plus. Is voordat je nooit meer huilt. Abraham était le fruit de cependant. Abraham was het vrucht van toch. C'était un Irakien. Dus het was dus een Irakien. Abraham n'était pas juif. Hij was geen Jood. Il n'a jamais été juif. Hij was nooit een Jood geweest. Il n'est pas mort juif. Hij is niet dood als een Jood. C'était un païen comme toi et moi. Het was een gelovige zoals ons. Il est sorti d'une famille qui adorait des idoles. Dus hij komt uit een familie die dus allemaal idolatrie hadden. Abraham était né à environ 160 km vers le sud-est de Bagdad. Dus hij kwam dus uit Bagdad. Donc c'était d'ailleurs c'était un vieux père. De Saddam Hussein. Dus het was een oude vader van Saddam Hussein. Il est Irakien. Dus hij was een Irakien. Il est dans la Mésopotamie. Dus hij komt van Mesopotamie. La Babylonie. Dus in Babylonie. Et selon les commentaires, ça ne se trouve pas loin de Bagdad. En het komt niet ver van Bagdad. La capitale d'Irak. Dus de hoofdstad van Irak. Malgré cela. Maar toch al dat. Le Seigneur. De Heer. A porté son choix. Heeft zijn keuze gezegd. Hij heeft gezegd, Abraham. Ce qui est bizarre ici. Dus wat heel raar is hier. Il n'a pas accepté Jésus. Hij heeft dus God niet willen accepteren. Il n'est pas passé par la délivrance. Hij is dus niet gaan tot de bevrijding. Quand la faveur de Dieu. Dus wanneer de gunst van de Heer. Tu n'as plus besoin de cure. Dus niet tu n'as plus besoin de la délivrance. Heb je geen bevrijding meer nodig. Parce que c'est Dieu. Want het is God zelf. Die is toegekomen. Die is in uw leven. Moïse était le fruit de ce pas. Mozes was de vrucht van het marathon. Cependant. Maar toch. Je t'ai choisi. Heb ik u gekozen. Pour délivrer mon peuple. Om dus het volk te bevrijden. Beaucoup parmi nous. Dus veel tussen ons. Nous sommes de fruit. Wij zijn de vrucht. De cette conjoncture. Dus van deze vervoering. Malgré tout ce que tu as fait. Maar toch, alles wat je gedaan hebt. Zelfs alles wat je gedaan hebt. Tout ce que tu as dit.
Alles wat je gezegd hebt. La manière dont tu as conduit ta vie. De manier waarop je leven hebt geleid. Mais ce soir, maar vanavond. De Heer zegt. Cependant. Maar toch. Malgré tout cela. Maar toch al dat. Je désire de faire grâce. Wil ik u zegenen. Tu crieras vers moi. Je zal roepen naar mij. Je vais entendre. Ik zal het horen. Et je t'observerai. En ik zal verhoren. Les enfants ont joué. Dus de kinderen hebben gespeeld. Quand tu t'accordes cette faveur. Dus wanneer je dit het gunst. Dit toujours. Dan zegt hij altijd. Voici. Ga. Et ne la maîtrise plus jamais. En dus er maakt geen fouten meer. Amen. Malgré cela. Maar toch al dat. Cependant. Maar toch. Le Seigneur. De Heer. Désire de faire grâce. Wilt u zegenen. Quand tu crieras. Wanneer je zal roepen. Il t'entendra. Zal hij naar u luisteren. Et il le saura. En hij zal u verhoren. Et quand tu vas être saucé. En wanneer hij je gaat verhoren. Tu ne pleureras plus. Zal je nooit meer huilen. Maintenant, j'aimerais inviter devant. Dus nu wil ik mensen uitnodigen. Si tu sais que pour une situation, als je weet voor een situatie. Je regardais l'heure, ik was naar het uur aan het kijken. Pour rester dans le temps, dus om in de tijd te blijven. Et vous priez pour certaines en personnes. Om te bidden voor enkele mensen. Mais je ne veux pas prier pour tout le monde. Maar ik wil niet bidden voor iedereen. Je veux prier pour ceux qui ont pleuré. Ik wil bidden voor degenen die gehuild hebben. Ça fait deux ans. Het is al 2 jaar. 3 jaar. 3 jaar. Tu pleures toujours pour quelque chose. Dat je altijd huilt voor iets. Qui ne s'est pas encore manifesté. En als je het nog qui n'est pas encore arrivé. Die nog niet gekomen is. Tu te sens négligé, rejeté. Je voelt u weggegooid. Abandonné. Dus weggelaten. Toi-même, tu te sens loin de Dieu. Je voelt u ver van de Heer. À cause de ta propre vie. Door uw eigen leven. Mais aujourd'hui. Maar vandaag. Ce soir. Deze avond. La voix de l'Éternel a crié. De stem van de Heer heeft geroepen. En disant. Om te zeggen. Malgré le verset 1 au verset 17. Maar zelfs tot 1 tot 17, vers 1 tot 17. Je vais intervenir aujourd'hui. Wil ik tussenkomen in uw le leven. Verset 18. Vers 18. Et qui commence par. En die begint met. Ce pas. Toch. Je désire te faire grâce. Wil ik u zegenen. Tu crieras. Je zal roepen. Le Seigneur entendra. De Heer zal luisteren. Et il en hij zal u verhoren. Si tu es dans la salle, wanneer je, als je in de zaal bent, tu sais que tu as pleuré depuis longtemps, en je weet dat je gehuild hebt, je t'appelle rapidement. Wil ik u heel snel roepen. Viens rapidement. Kom heel snel. Que Dieu te bénisse. Dat God u zegen. Que Dieu te bénisse. Dat God u zegen. Je veux que vous soyez le fruit. Ik wil dat u de vrucht. Que vous connaissiez le verset 18 de votre vie. Dat u vers 18 van uw leven kent. Où tu peux dire à tes frères, à tes soeurs, je kan tegen je broeders en zusters zeggen, à ceux qui te connaissaient, de mensen die u kenden, ne peut prononcer ce mot cependant, dus kan het woord toch, que celui, alleen mensen, ou celle, of degene, dans la vie de qui Dieu intervenu. In het leven dat God is, dat is geen belang voor mij. Ce qui m'intéresse maintenant. Wat belangrijk is voor mij, c'est que tout ce que tu as dans le cœur, is dat alles wat je in je hart hebt, le Seigneur dit, is dat de Heer zegt, malgré tout ça, maar toch, malgré le temps que cela a duré, maar toch de tijd dat alles heeft geduurd, malgré tout ce que les hommes, dus toch wat alle mensen hebben gezegd, malgré tout ce que ta famille a dit, dus zelfs wat alle familie hebben gezegd, malgré tout ce que les médecins ont dit, zelfs wat alle dokters hebben gezegd, ce soir, vanavond, je désire te faire grâce, wil ik u zien, quand tu crieras, wanneer je zal roepen, le Seigneur entendra, zal de Heer horen, et le Oh, my God.
Malgré que ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps que je jeûne. Ça fait longtemps que je me suis intéressé aux choses de Dieu. Mais cependant, tu m'as visité. Cependant, tu m'as béni. Cependant, tu m'as touché. Est-ce que les gens peuvent se lever dans la salle pour remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons ton corps, acclamons ton corps, acclamons ton corps, le Seigneur, le Seigneur. Oh Dieu est bon. Amen. Amen. Nous allons très très vite. Nous sommes en L'Éternel entend. De Heer lasse. Malgré ça. Maar toch alles. Alléluia. Donc malgré ça. Toch alles. Amen, amen. Bien aimé, parce que nous voulons gagner un peu de temps. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Mukandila. Il va nous parler succinctement sur les offrandes parce que nous voulons offrir à notre Dieu. Pendant qu'il s'amène, nous acclamons très fort notre Dieu. Zegt hij maar toch, ik wil u zeker niet geven deze avond. We zullen die zijn zeker niet nemen, dat de Heer ons heeft gegeven. Dus wat we gaan doen is heel belangrijk. Alleluia. On est béni que si on suit les principes. Dus we zijn gezegend als we de principes van de Heer volgen. Dus als we de principes van de Heer volgen, zijn we gezegend. Dus de man van God heeft gezegd. Dus zelf als je je offer niet gegeven heeft. Dus zelf als je je offers niet gegeven heeft. Dus zelf als je niet aan de Heer hebt gegeven. Dan zegt hij maar toch. Dus ga ik u die zegening geven vanavond. Voordat je dus voordat je die in handen kunt nemen. Voordat hij iets kan laten zien. Voordat je handen kunt bewegen. Voordat hij kan stappen. Voordat jij. Dus dat je problemen veranderen. Voordat je problemen veranderen. Halleluja. Dus de man van God gisteren zei ons. Dus dat de Heer met ons staat. Dat de Heer ziet met ons. Dat de Heer hoort met ons. Amen. En ik zei jullie, er zijn offers die spreken. Amen. Dus de Bijbel leert mij, dus Abel is dood, Abel is dood, maar zijn offer, zelfs nu nog, is nog aan het roepen, is dus aan het spreken, is aan het spreken, voor de situatie van Abel, zijn offer spreekt, zijn offer spreekt. Amen. Dus mama heeft ons gezegd, dus er moest iets zijn, dus de voeten van de Heer laat bewegen, voordat hij tot het grot komt. Er is iets dat dus de voeten van de Heer laat bewegen. Er is iets dat de voeten van de Heer laat bewegen. Dus ben je klaar voor deze zegening, voordat je kan bewegen, dus de voeten van Jezus Christus, door uw probleem, dus ik wil u een getuigenis geven, op een dag, het was een zondag, we gingen naar de kerk, mama raakt me aan en zegt, pasteur, pasteur,
kunt u mij geven? Dus is de zegen dat de Heer u gegeven, voordat ik dus voor altijd een werk kan hebben. Ik keek naar mijn vrouw en ik zei tegen mijn vrouw, geef mij een offer. Dus ze komt met een dollar uit en ze geeft me 100 dollar. En ik zeg tegen haar, wat denkt u? Dus wanneer je dus voor altijd kan werken, zal dat genoeg zijn? Ze kijkt naar mij. En ze zegt, het is alles wat ik heb. Het is alles wat ik heb. Ze zegt, het is alles wat ik heb. En ik zeg nee. Om de voeten van Jezus te laten bewegen. Dus voordat jij voor altijd kan werken, dat is meer dan 100 dollar. En ze zegt tegen mij, papa, dus papa, we moeten de hypotheek betalen. En ze zegt, je stelt mij een vraag. Dus wil je permanent werken? Amen. Dus zijn de mensen die naar boven komen, omdat ze dus voor lang geheld hebben, omdat je situatie veranderd is, en je wilt dus een verandering vanavond, maar dan moet je iets doen. Ik zei tegen mijn vrouw, dus ik wil 1000 dollar. En ze zegt, en de hypotheek? En ik zeg, ja, 1000 dollar. Dus dat je wil, dus wil je permanent werken of niet? Ze kijkt naar mij en zegt, zeg, papa, weet je wat de risico u heeft? En u zegt, u heeft permanent gevraagd. En ik zeg gewoon hoe dat de dingen werken. Ik wil 1000 dollar, zodat mijn hart blij is, zodat ik de hemel open en zodat permanentie naar beneden gaat. Want de Heer heeft gezegd, dus ik kan de hemel openen, zodat de zegening naar beneden gaat. Amen. Halleluja. Ze keek naar mij. En ze zegt, maak een cheque. Ik heb een cheque gemaakt. En ik zeg, neem dat mee. Wanneer ik klaar ben met prediken, ga je het zetten in de bank. En ik zal voor u bidden. Ze heeft gedaan wat ik had gezegd. Ik heb gebeden voor haar. Een week later, dus zij die geen Engels kent, ze kent geen Engels. 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 Maar ze werkt. Maar toch. Maar dus maar toch. Maar toch. Maar toch. Maar toch. Ze komt in het bureau. Ze was aan het trillen. Wanneer ze naar mij belde. En ik zeg, weet u wat u iets gevraagd hebt aan de Heer? Dus je moet geen bang, je moet niet bang zijn. Ga naar de directrice. De directrice was aan het trillen. En ze zegt, ik weet niet hoe. Maar het is gebeurd. Want jij hebt het niet. Maar ik weet niet. Maar toch. Zodat uw situatie verandert. Voordat God u permanent werk heeft. Zoals ze aan mijn man durven te geven. Dus ze werkt niet overal. Dus ze werkt bij de immigratie. Ze werkt bij de immigratie van Canada. Dus wanneer naar het bureau komt. Dus wanneer iemand in Canada komt. Dat die zij het laatste woord heeft. Alleluia. Amen. Een Congolees zoals jij, ze heeft het laatste woord in Canada. Voordat je dus een Congolees dat je dus een Congolees hebt, als je een richting hebt, dan zie je dat het gaat gebeuren in je leven. Alleluia. Amen. Dus kunnen we zingen? Kunnen we zingen? We zullen geven. Alleluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous avons donné l'offrande, wanneer we een offer geven, on n'avait pas donné moins de 1000 dollars. Hadden we niet minder dan 1000 dollars. On avait donné 1000 dollars.
Cela n'avait nous pas empêché d'appeler l'hypothèque. Parce que l'hypothèque a été payée. Alléluia. Amen. Mais ce qu'elle a aujourd'hui, c'est plus que l'hypothèque. Jusqu'à sa mort, il sera toujours dans cet emploi. Amen. Amen. Et il me l'aura aussi. Et ce sera une bonne retraite. Je suis un heel good girl. Je sais que mon avenir est assis. Tu es tout ce que tu as fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous allons faire le soir? Il y en a encore des autres personnes qui prennent. Je crois qu'il est frère d'Allemagne. Je crois qu'il est frère de la Hollande. Alléluia. Alléluia. Les frères de la Hollande. On en a beaucoup ici. Nous avons pas encore les frères. Vous avez suivi votre passé. Vous avez suivi le passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la bonne semence aussi. Et le coup de ça. Le maman de la bonne semence. Le coup de ça. Et bien vous serez tout de maman de la bonne semence. Maman de la bonne semence. Maman de la bonne semence. Avancez. Avancez. Nous allons écouter les sept de grâce. Les mamans. Les mamans. Avancez. Comme il y a d'autres personnes qui prennent la forme. N'attends pas quand tu verras Béa venir. Dès que tu dis Béa, donnez-moi aussi. Je vais donner. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour ainsi que pour ta fidélité, Seigneur. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Je sais que Seigneur de gloire, notre Dieu, tous ceux qui ont donné, Seigneur de gloire, tous ceux que nous avons mis, Seigneur notre Dieu, dans ces paniers, Seigneur, nous l'avons reçu de toi, Seigneur de gloire. Bénis ces offrandes, notre Dieu, qui ont eu à cœur, Seigneur, pour donner, Seigneur, notre Dieu, en ces jours, Père de gloire. Ô Dieu de gloire, Dieu d'amour, ainsi que tous ceux qui ont voulu donner, mais n'ont rien reçu, Seigneur de gloire. Et Seigneur notre Dieu, ils donneront aussi, Seigneur notre Dieu, par la suite. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soit rendu à notre Seigneur. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre réunion. Mais nous n'allons pas terminer. Sans pour autant remercier ces hommes de Dieu. Qui se sont dérangés. Pour partager avec nous cette grâce. Om deze zegen met ons te delen. Que Dieu leur a donné. Je vais leur demander de se tenir debout. Et que le peuple de Dieu va acclamer très fort pour ces hommes de Dieu. Nous voulons rendre notre Seigneur. Nous voulons remercier. D'autres délégations sont venues d'ailleurs. D'Ordrecht. D'Ordrecht. Utrecht. Et même de l'Allemagne. Et même de la France. De Luxembourg. Et recevez nos salutations au nom de Jésus. Là où vous êtes, nous vous bénissons. Bénissez, 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 bénissez. Oh, ma boy, la vie, 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 la vie,
Et nous voulons aussi remercier l'évangéliste Alba. Et toute son équipe qui ont couvert la manifestation et les mains de gloire de Mélisse. Nous allons le bénir au nom du Seigneur. Le mardi, nous avons l'étude biblique. Le vendredi, nous avons l'intercession. Et c'est le samedi qu'il y a des répétitions de la chorale. Et le dimanche, nous avons culte à 10h15. Amen. Alors, nous avons le DVD pour le pasteur Moleba. C'est 10 euros. Vous le trouverez aussi la dernière. Vous verrez comment Dieu travaille avec ses serviteurs. Amen. Vous serez vraiment très bénis de ce message qu'il a annoncé dans ce DVD. Nous avons aussi notre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Il est là. Alléluia. Donc, si vous avez besoin de couvrir vos cérémonies, par des caméras, par des projections, vous serez les bienvenus. Vous pouvez prendre contact avec lui juste après la prière. Il s'agit de mariage et autres choses. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout dans la prière pendant que la chorale nous amène dans la présence de Dieu. Mais après la prière, ne partez pas si vite. Nous avons préparé quelque chose pour partager ensemble. Nous allons demander à la jeunesse de prendre des dispositions dans la salle pour amener les tables. Nous voulons que vous soyez très bien assis pour être très bien servi. Et j'appelle le protocole. Ils prendront soin des hommes de Dieu et ils vont les ramener au bureau. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jesus,
notre Dieu, que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as réalisé, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli, éternel Dieu. Seigneur, je m'en vais recommander. Tout ce que tu as déplacé de loi, d'une manière ou d'une autre. Oh Dieu, que tu les bénisses aux sanctifs. Ils ont abandonné leurs enfants, leur maison, à cause du royaume. Seigneur, que tu te souviennes d'eux. Ceux qui prendront les avions, ceux qui prendront des voitures, des véhicules, des trains, Père Saint. La Bible me dit que l'ange l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, afin de les arracher de l'enchaînement. Seigneur, que tu les ramènes à domicile, et c'est là pour la gloire de ton nom. Père Tout-Puissant, que le ciel souffre sur mon frère et ma soeur. Seigneur, et que tu entendes son cri, et qu'il voit des choses heureuses au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous déclarons la première convention internationale au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Como ia ser bom, eu sei qual é a melhor. Je vais chanter une chanson, la chanson Salidala, Simbam Laik Makasi. Je dis Seigneur, soutiens-moi. J'aimerais marcher avec toi. Parce que tu es mon Dieu. Yeah.
Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous appelons l'apôtre Antoine, ensemble avec la jeunesse. Ils vont nous interpréter ce qu'ils ont. Welkom in de naam van Jezus Christus, Allerhoogste God. Amen. Amen. We zijn hier niet voor onszelf, we zijn hier voor Jezus Christus, de enige waardige God. We zijn hier niet voor onszelf, voor notre Dieu. Dit weekend, lieve mensen, is een weekend voor Jezus om dichter bij hem te komen.
Ces week-ends est réservé pour notre Dieu, afin que nous puissions nous assembler dans les Seigneurs. En in ons leven zijn er altijd momenten dat we het heel moeilijk hebben. Et dans notre vie, il y a toujours des moments difficiles. Dat we heel verdrietig zijn. Et pendant ces moments, nous sommes très attristés. En dat we fout gaan met onze familie. Et dans la famille, il y a des problèmes parfois. Dat we fout gaan met onszelf. Et parfois, ça va pas très bien avec nous. En soms kan je dan helemaal down en dépressief worden. Et là, on peut devenir dépressif. En de Satan die wil dat je dépressief wordt. Et Satan veut. Jésus nous dit, donne-moi ton âme. Geef-moi ta peine. Donne-moi tes douleurs. Geef-moi ta schande. Donne-moi ta honte. Geef-moi ta zonde. Donne-moi tes péchés. En leg het al aan mijn voeten neer. Et tu le mets sur mes pieds. En dit lied zegt tegen u vandaag. Et moi je te dis aujourd'hui. Het is een Engelstalig lied. Ik ruil mijn zorgen. Et la chanson qu'elle veut interpréter, c'est. Ik ruil mijn pijn. Anglaise. Ik ruil mijn ziekte. Et ça veut dire que tu puisses mettre, ik ruil alle ellende van mijn leven, péché à notre Dieu, voor de vreugde van de Heer. Afin que la joie de l'Éternel puisse t'accompagner. En als u daarmee eens bent, gaat u staan. Laten we een feest van maken voor Jezus. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous puissions vraiment nous élever dans la joie. Ook al verstaat u niet, u weet niet waar het over gaat. Je ne comprend pas la chanson. En als we zingen, yes Lord, yes Lord, yes, oh, Dieu, yes Lord. Dieu, oui, Dieu, oui, Dieu. Dat betekent het ja, ja, ik ruil mijn zonde, ik ruil mijn ziekte, ik ruil alles voor de vreugde van God. Dieu, oui, Dieu, je te donne mes péchés, je te donne mes douleurs. Amen. Ik ruil alles in, al mijn zorgen, amen, voor de vreugde van God. Je donne tous mes péchés au Seigneur, afin que je puisse recevoir la joie. Jezus is vandaag hier. Jésus est présent ici. Waar twee of drie mensen vergaderd zijn in mijn naam, zegt hij, ben ik in de midden. Là où deux ou trois sont réunis. Dus laten we een applaus geven, een welkomstoffer voor de Heer. Halleluja, halleluja, u bent hier. En we gaan alles inruilen. Al onze pijn, al onze verdriet, al onze zorgen. Voor de victoire, Jésus, Jésus. Amen. Oké. Okay. Oh, oh, I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Halleluja, halleluja. And I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Hallelujah! I'm trading my sorrow. Sing with me, ladies. I'm trading my sorrow. Oh yes, I will. I'm trading to my soul. Yes, I will. And I'm laying them down for you, Jesus, my joy and my Lord. Hallelujah. And I'm trading my sickness. And I'm trading my pain, my pain, my pain, my shame. I'm laying all them down for the joy of the Lord. Okay, you can the text. Yes, Lord, you're here. Hallelujah. Hallelujah. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je t'aime. Hallelujah. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Come on, come on, yes Lord, say. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Hallelujah. Pressed but not crushed, persecuted and not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. The Lord is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, the joy comes with the morning with Jesus. And I'm trading my sorrow.
Jezus is blij als hij zegt, ja, ondanks alles, yes Lord, come on. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Nou, denk jullie. Oké, let op, de dames zingen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, hallelujah. Yes, Lord, oh, yes, Lord. We say yes, we say yes, come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Mais nous sortons toujours vainqueurs par le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est belangrijk om altijd te zeggen glorie, glorie. C'est pour ça qu'il faut toujours dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Je bent een machtig God. Parce qu'il est un Dieu puissant. En niets kan mij stoppen. Et rien ne peut l'arrêter. Om Jezus te prijzen. C'est pour ça que nous devons louer notre Dieu. Niet omstandigheden. Pas à cause de notre circonstance. Helemaal niets. Glory, glory, Lord. Glory, glory. Halleluja. Jump on, Alex. 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 Jump on, Alex.
mighty God. You are a mighty God. Okay, okay, okay. You are a mighty God. Amen. Amen. Il est bon notre Dieu. On dit que c'est un Dieu. C'est l'histoire de la femme adultère. Le théâtre va être en néerlandais, donc si vous voulez bien comprendre, si vous ne parlez pas néerlandais, vous pouvez lire avec dans votre Bible, dans Jean chapitre 8. Begrijpt je het? Nee, niet zo goed. Oké, ik zal je eens wat vertellen. Hebben jullie het ook begrepen? Ja!
Si on a compris le message, nous devons encore acclamer une fois de Jésus. Quand je me regarde et je regarde ma vie du passé, et aussi même encore aujourd'hui, alors je pêche. Et je fais des fautes. Même si je suis prêcheur. N'importe qui tu es. Tu dois toujours comprendre que Dieu t'aime et il veut continuer avec toi. Er zijn zoveel momenten geweest voor mijn bekering dat ik het niet meer zag zitten. Il y a eu tant de moments où je voyais plus mon futur. En er zijn ook heel veel momenten geweest na mijn bekering dat ik het niet zag zitten. Et il y a encore toujours beaucoup de moments où j'ai pas su voir un futur. Omdat als God van jou houdt en als God jou getrokken heeft uit de duisternis. Alors quand Dieu est attiré de ténèbres. En wil je helemaal. Il te veut tout à fait. Er zijn jonge mensen hier, er zijn oudere mensen. Et il y a des jeunes ici et des plus âgés aussi. Er zijn mensen met kinderen. Et il y a des gens avec des enfants. En er zijn kinderen. Et il y a des enfants. En er zijn kinderen die later kinderen willen. Et il y a des enfants qui voudraient plus tard aussi avoir des enfants. Maar als u kinderen heeft, en ik heb zelf drie dochters. Mais si tu as des enfants, moi j'ai moi-même trois enfants. Ik heb dochters van 18, van 16 en 8. J'ai une fille de 18, 12 et 8. En het belangrijkste vind ik. Et le plus important c'est. Dat ze niet van mij houden om wat ik ze geef. Qu'ils ne m'aiment pas parce que je leur donne. Maar dat ze van mij houden om wie ik ben. Mais parce qu'ils m'aiment pour qui je suis. De Bijbel zegt dat wij als aardse vaders daar altijd kinderen in teleurstellen. La Bible dit que nous comme pères sommes. Wij doen ons best, maar wij zijn mensen. On fait notre possible, mais on est que des hommes. Maar God stelt u nooit teleur, amen. Mais Dieu il nous déçoit jamais. God is een God van trouw. Dieu est un Dieu de confiance. En God houdt van u. Et Dieu t'aime. Ik wil u vertellen over mijn eigen leven toen ik jong was. Je veux te raconter sur ma vie de quand moi j'étais jeune. Toen ik jong was kende ik God niet. Quand j'étais jeune, je n'ai pas connu Dieu. Ik ben nu 21 jaar getrouwd met mijn vrouw, wil je vanaf staan? Je suis maintenant mariée 21 ans avec ma femme. 21 jaar. 21 ans. Ik ga vandaag geen mooi weer spelen, liegen. Aujourd'hui, je vais pas dire n'importe quoi. Ik vertel een serieus hoe mijn leven met God is geweest. Je vais vraiment sérieusement raconter ma vie avec Dieu. Toen ik jong was, hield ik van mijn vrouw. Quand j'étais jeune, j'aimais ma femme. En nu nog steeds. Maintenant encore toujours. Maar meer en meer. Mais de plus en plus. En met veel meer respect. Et même plus qu'avant. Want toen ik jong was. Parce que quand j'étais jeune. Waren er mooie dingen uitgesproken over mijn leven. Et on m'a dit beaucoup de belles choses sur ma vie. Het was een bijzondere tijd waarin ik 19 jaar was. C'était un moment très spécial quand j'avais 19 ans. En God zei, ik ga je gebruiken op grote plaatsen. Et Dieu t'a dit, je vais t'employer dans les grandes places. Als je maar in mij blijft. Si toi tu es avec moi. En mijn leven ging verder. Et ma vie est continue. Ik was drugsverslaafd in de eerste instantie. J'étais accro à la drogue. Ik deed mensen pijn. J'ai fait beaucoup de mal aux gens. Ik deed mijn vrouw pijn. J'ai fait beaucoup de mal à ma femme. En ik kende God eigenlijk niet. Et je n'ai pas connu Dieu. Ik wilde alleen gezegend worden. Je voulais juste être béni. Ik wilde een mooi huis. Je voulais avoir een mooie auto. Maison, veel geld. Beaucoup d'argent. En liefde. En ik wilde aandacht van alle mensen. Et je voulais beaucoup d'amour et l'attention des gens autour de moi. En God, hè? Mais Dieu. God wilde heel iets anders voor mijn leven. Dieu voulait quelque chose de tout à fait différent. Hij wilde mij veranderen. Hij wilde de oude twan wegdoen. Il voulait enlever tout le mal. De Bijbel zegt in Galaten 2, vers 20. La Bible dit dans Galates 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd.
avec le Christ mort. Dat is niet meer mijn ik. Ce n'est plus moi. Maar Christus leeft in mij. Mais Jésus vit en moi. En voor zover ik nu nog in het vlees in mijn lichaam leef. Et maintenant que je suis vu la peau de ma. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Je vis dans la foi. Die mij heeft liefgehad. Qui m'a par Jésus qui m'a aimé. En zich voor mij heeft overgegeven. Et celui qui s'est sacrifié pour moi. We hebben een bepaalde natuur als mensen. On a une sorte de nature comme homme. Zoals bijvoorbeeld net gebeurd in het toneelstuk. Comme on vient de voir dans le théâtre. Wij willen christenen zijn. On veut être. Wij willen God dienen. On veut servir Dieu. Maar wij kennen de natuur, de heiligheid, de liefde van God kennen wij niet. Mais on connaît pas la nature et la bonté de Dieu. Vandaag is zondag. Aujourd'hui on est dimanche. De dag van God. Le jour de Dieu. Dan leven we heilig. Parce que alors on vit saint. We hebben mooie kleren aan. On met des beaux habits. We doen ons best om God te dienen. Et on fait notre possible pour maar wat gebeurt er op maandag, dinsdag, woensdag? Mais qu'est-ce qui se passe lundi, mardi, mercredi? Misschien hebben wij zon in onze mond. Peut-être qu'on a des choses dans notre bouche qu'on dit. Misschien gooien wij ook wel des steen naar die vrouw op de steen. Peut-être que parfois on jette des pierres vers les femmes. En één ding moet u begrijpen, lieve mensen. Mais une chose il faut comprendre. De natuur, de oude natuur. La nature, la vieille nature. De natuur die niet van God is. La nature qui n'est pas de Dieu. Die gaat precies in een vijandschap tegen God. Elle va exactement dans contre Dieu. En jonge mensen. Et les jeunes gens. En ook oudere mensen. Et aussi les gens plus âgés. Wat God wil met uw leven. Ce que Dieu veut avec ta vie. Is u veranderen. C'est te changer. Is u echt veranderen. Il veut vraiment te changer. Sla even met mijn ogen alsjeblieft. Donc ouvre la Bible avec moi. Matthäus. Dans Matthieu. 26. Chapitre 26. Vers 36. Vers 36. Est-ce que quelqu'un peut lire en français, s'il vous plaît? Matthäus 26, vers 36. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dank u, Jezus. Merci, Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lees maar voor, 36 tot 43. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il a dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il dit commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais tout ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. We hebben heel het weekend gehoord dat God luistert naar de gebeden van zijn kinderen. Donc on a entendu tout le week-end que Dieu écoute les prières de ses enfants. We hebben gehoord dat God ook in een nood voorziet. On a aussi entendu que Dieu geneest. Et il nous guérit. Dat als u roept naar hem, dat hij u antwoordt. Donc si tu cries vers lui, il répondra. En wij zijn zeer genadevol. Et on a beaucoup de. Dat wij kinderen van hem mogen zijn. On est ses enfants. Maar vandaag, op het laatst van deze dag. Mais aujourd'hui, c'est dernier jour. Wil ik stilstaan bij een persoon. Je veux parler d'une personne. Bij de persoon, de God van ons, Jezus Christus. Je veux parler de Jésus. Naar wie God niet luisterde. À qui Jésus n'a pas écouté. Jezus is in doodsangst. Jésus avait très beau. In Gethsémané. Heeft drie keer gevraagd, Vader, alsjeblieft. Il a trois fois demandé, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Que ceci parte moi. Met andere woorden, ik ben bang
Avec des autres mots, j'ai peur. Hij was zo bang dat, dat zijn zweet bloed werd. Il avait très peur que sa transpiration devienne puissant. En niemand kon hem helpen. Et personne ne pouvait l'aider. Helemaal niemand. Vraiment personne. En God wilde hem niet helpen. Et Dieu ne voulait pas l'aider. Dat is moeilijk, toch niet mensen? C'est difficile ou pas? Als wij iets vragen. Si nous on réussit. Kunnen wij in de naam van Jezus voor zijn troon komen. On peut venir sur le trône au nom de Jésus. De naam van Jezus is zo bijzonder krachtig, mensen. Le nom de Jésus est tellement puissant. De naam van Jezus is genade. Le nom de Jésus est puissant. Spreek de naam van Jezus uit over je leven. Si tu parles le nom de Spreek de naam van Jezus uit over je situatie. Parle de Jésus sur ta situation. Als je misschien situaties in je leven hebt, misschien heb je financiële problemen. Si tu as des situations comme des misschien problemen. Heb je huwelijksproblemen. Peut-être t'as des problèmes dans misschien le mariage. Ben je ziek. Peut-être que tu es malade. Misschien heb je problemen op andere fronten. Peut-être que tu as des problèmes avec des autres. Spreek de naam van Jezus uit over de situatie. Parle le nom de Jésus. De naam van Jezus is zo bijzonder krachtig. Le nom de Jésus est si puissant. Hij is de naam boven alle naam. C'est le nom er is geen naam gegeven onder de hemel en aarde waardoor we houden konden de naam van Jezus. Halleluja. En mensen, begrijp goed, we hebben de naam niet verdiend. Il faut bien comprendre, on n'a pas mérité ce nom. Ik wil u even meenemen naar het verhaal van Esau en Jacob. Je veux parler de l'histoire de Jacob. Esau en Jacob, die twee broers. Jacob, il avait deux frères. Jacob, de bedrieger. Jacob, le... En de bedrieger, de leugenaar. Le trahisseur. En Esau, de oudste broer, die eigenlijk de zegen zou moeten hebben. Le frère le plus âgé devait recevoir la bénédiction. En Esau ging het veld in. Et alors il voyait. Want zijn vader Isaac had gevraagd, ik wil nu de zegen geven. Isaac avait dit, je veux te Ik wil je nu de zegen geven voor het leven. Je veux te bénir pour ta vie. Dus Esau ging weg. Donc il part. Zijn moeder had alles gehoord. Elle avait tout entendu. En hij zei, Jacob, Jacob. Elle a dit, Jacob, Jacob. Kom snel. Viens vite. Je moet jezelf verkleden, bekleed je met Esau. Tu dois te déguiser. Doe je geitenbokjes om je armen, dat je behaarde armen hebt. Tu dois mettre des choses sur tes bras. Doe de geur van het veld op je, dat je de geur hebt van Esau. Tu dois mettre le sens, tu dois mettre l'odeur du champ sur toi. En bereid de geitenbokjes zoals Esau het zou bereiden. Bereid het eten zoals Esau het zou bereiden. Maak het eten klaar zoals Esau het zou bereiden. Tu dois préparer à manger. En weet je wat gebeurde? Tu sais ce qui s'est passé? De Jacob. Jacob. Die geen recht had op de zegen. Jacob voulait recevoir. Il va vers son père. Il va vers son père. Bekleed met Esau. Et il s'est déguisé. En zijn vader, die een beetje blind was. Et son père, il était aveugle. Il zegt, je lijkt wel op Esau. Il a dit, tu ressembles à Esau. Je voelt als Esau. Tu sens comme lui. Je ruikt zelfs als Esau. Tu sens même comme lui. Oké, je stem is anders. Ta voix est un peu différente. Maar hij lijkt op Esau. Mais tu ressembles. Weet je wat het geheim daarvan is? Tu sais c'est quoi le secret? Jacob ontvangt terwijl hij niet verdient die zegen. Jacob, il a pris la bénédiction sans qu'il le méritait. Kom even mee naar het Nieuwe Testament. Viens dans le voir dans le Nouveau Testament. Wij zijn de Jacob van tegenwoordig. On est en fait le Jacob d'aujourd'hui. Maar als wij onszelf bekleden met Christus. Mais si nous on s'enrobe avec Jésus. Als wij zeggen de geur van Christus uitstralen. Si on montre même l'odeur de Jésus. Dan kunnen wij alles vragen. Alors on peut demander tout. De Vader zegt, vraag wat gij wilt als je het doet in mijn naam, zegt Jezus. Le Père dit, demande ce que tu veux si tu le fais dans mon nom. De fout die ik bij veel christenen zie, wij bidden met de naam van Jezus. La faute qu'on voit chez beaucoup de chrétiens, c'est que on prie avec le nom de Jésus. Met de naam als een soort wapen. Avec le nom de Jésus comme un sort. We moeten niet, jonge mensen, je moet niet bidden met de naam van Jezus. Mais il faut pas prier avec le nom de Jésus. Maar je moet in de naam van Jezus bidden. Il faut prier dans le nom de Jésus. Bekleed je met Christus. Enrobe-toi avec Jésus. Begrijpt u het? Ben ik duidelijk of niet? Est-ce que je suis clair ou pas? Ben wacht, uw hand. Lève ta main si tu me comprends. Oké. In de naam van Jezus. Dans le nom de Jésus. Ik heb korte tijd om te spreken. Ik heb maar korte tijd om te spreken. J'ai pas beaucoup de temps pour parler. Ik wil even terug naar het verhaal. Et je veux juste vite retourner à l'histoire. Ik heb mensen. Je connais les gens. Die ver afgevallen zijn. Qui sont vraiment tombés loin de afgevallen van de levende God. Ils ont arrêté de vivre comme des die misschien een familiepijn hebben gedaan. Ils ont fait beaucoup de mal à leur famille. Die misschien in veel schulden zijn gekomen. Ils ont peut-être beaucoup de problèmes. Ik ken iemand die in de kerk is geweest, die moet naar de gevangenis. Je connais quelqu'un qui doit aller en prison. Zo ver afgevallen. Beaucoup de choses qui sont parties. Spreuken 24 vers 17 zegt, de rechtvaardige valt 7 maal, doch staat weer op. Dans la Bible, il est écrit que le juste peut tomber 7 fois, mais il se relèvera toujours. Zoals de overspelige vrouw, hè? Comme la femme adultère. 1 keer kunnen wij begrijpen. Une fois, on peut comprendre. 2 keer, is al moeilijk. Dat hebben wij moeite, dan zeggen wij, dit is echt. Alors on a difficile, on pense que c'est vraiment mauvais. Is bezeten. Et le possédé. 3 keer. 3 fois. Maar 7 keer. Mais 7 fois.
Hoe kan dat nou? Comment c'est possible? Omdat Jezus genadig is over hun leven. Jezus, il a mensen. Jonge mensen, er zijn jonge mensen. Il y a des gens jeunes. Die hebben erg gezondigd. Qui ont fait beaucoup de péchés. Maar ik wil u vandaag bemoedigen in Jezus naam. Mais je veux les encourager au nom de Jezus. Sta op uit de situatie. Lève-toi de ta situation. Sta op uit de situatie. Lève-toi de ta situation. Sta op uit de depressie. Lève-toi de ta depression. Ga weg in de naam van Jezus die zelfmoordgedachten. Pas au nom de Jésus. Elke pijn die je hebt gehad in het verleden, in de naam van Jezus verbreek ik die. Enlève tous les mal que tu as eu dans in de naam van Jezus kun je elke vijand verslaan. Au nom de Jésus, tu peux combattre chaque ennemi. Niet als wapen, maar jij treedt die naam tegemoet als met in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Au nom de Jésus. Halleluja. God is goed. Dieu est bon. God is de enige die je leven kan helpen. Dieu est le seul qui peut changer ta vie. Als u hier bent. Si tu es ici. Als u hier bent en u heeft problemen in uw leven. Si tu es ici et c'est pour une raison. Ik ga niet vragen of u naar voren wilt komen, maar ik wil u allemaal vragen om te staan. Je veux pas demander de venir devant. Gaat u alsjeblieft staan. Mais lève-toi. En ik ga een lied voor u zingen. Je vais pas chanter pour toi. Het zegt u verdient de glorie. U verdient de glorie. Il dit que dans la gloire. En de kracht en de eer. Et dans la force. U bent groot. Tu es grand. U doet wonderen zo groot. Tu fais des très grands miracles. En er is niemand zoals u. Il y a personne comme toi. Deze week let op in de situatie. Cette semaine regarde ta situation. Hoe moeilijk is, wat er ook gebeurd is. Kijk op Jezus. Kijk de situatie. Regarde Jésus. Kijk niet op de omstandigheden. Regarde ce qui se passe. Kijk op Jezus. Mais regarde Jésus. Hij is de enige almachtige God. C'est le seul Dieu. Alleluia. Ga u staan alsjeblieft. Lève-vous. Een applaus. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I bless your holy name. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah, hallelujah. There is no one else like you. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You deserve the glory and the honor. Yeah, yeah. I lift my hands in worship as I bless your holy name. You deserve the glory, Jesus, and the honor. Yeah, yeah. I lift my hands in worship as I bless your holy name. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, nobody else like you. There is no, nobody else like you. You do miracles so great. There is no one else like you, nobody, nobody. Nobody, Jesus, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Nobody else like you. Nobody else like you. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise Jesus. Oh, we are sala, yes, we sala, sala, yes, we. Oh, we are sala, yes, santo, hallelujah. Hallelujah, oh, hallelujah, 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 hallelujah. Prijs uw naam, Vader God. Prijs uw naam, Vader God. We leggen ons leven in uw handen, Vader God. We leggen elk probleem in uw handen, Heer Jezus. Wij ruilen onze zorgen voor uw vreugde, Vader God. Wij ruilen onze pijn voor uw vreugde, Jezus. Alle schande, alle zonde geven aan u, Jezus. Geen andere naam dan u, Jezus. Aucun autre nom que toi, Jésus.
Op dit moment wil ik mijzelf geven aan u, Jezus. Je veux me donner à toi, Jésus. Vandaag opnieuw wil ik mijzelf aan u geven, Jezus. Aujourd'hui, je veux me te donner à toi, en er is Jésus. Niemand zoals u. Il n'y a personne comme toi. Niemand zoals u. Il n'y a personne comme toi. En ik hou van u. Et je t'aime. I love you, I love you. 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 And I praise you, I praise you. I praise you, I praise you. I love you, I love you. I love you, I love you. Jesus, 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 Jesus. I need you, I need you. I need you, I need you. I need you, I need you. I love you, I love you. I praise you, I praise you. I praise you, I praise you, Jesus, Lord. I love you so, I love you so. My Jesus, wish you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Nobody else like you. Nobody else like you. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise your name. Praise your name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, thanks you, Jesus. Hallelujah. Bien-aimés, restons toujours debout. Là où tu es, mon frère, ma sœur, mais pas debout dans la présence de notre Dieu. Soyons toujours dans l'attitude de la prière. Je vais inviter la chorale, la bonne sémence, de nous amener dans la présence de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, là où tu es, tiens-toi debout dans la présence de notre Dieu. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Ce matin, ce soir, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Ce soir, nous ne sommes pas venus rencontrer quelqu'un. Mais nous sommes venus rencontrer celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est capable de changer l'identité de ta vie ce soir. Cet homme, il s'appelle Emmanuel. Le Dieu qui était parmi son peuple. Le Dieu qui ne change pas. Moi, je sens sa présence ce soir dans ce lieu. L'homme de Galilée, nous saluons ta présence, Jésus. Nous saluons ta présence, Jésus. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. La Bible dit que tu es le Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchira. En ton nom, toute langue confessera. Rien que par le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre. La Bible dit que Pierre, il était allé pêcher toute la nuit. Mais il n'a pas pêché. Parce qu'il fallait que quelqu'un qui s'appelle l'homme de Galilée. Il fallait que cet homme-là puisse se mettre devant de Pierre. Pierre a reconnu que Jésus est Dieu. Pierre a reconnu que Jésus est le créateur du ciel et la terre. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta Jésus, nous allons marcher sur les serpents ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, sois concentré là où tu es. Réalise la présence du roi des rois. Réalise la présence du Seigneur des seigneurs. Jésus qui est comme toi ce soir. Tu es celui qui essuie nos larmes. Tu es celui qui console nos cœurs, Seigneur. Change pas. Oh Jésus, tu ne changes pas. Près de toi, oh mon roi, qui t'est
le Seigneur. Et la voix commence à bénir le Seigneur. Dis-lui que ce soir, tu ne changes pas. Dis-lui ce soir.